Salut, c'est Marc de la chaîne La Burkiserg. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite panne sur le robot. Alors, là, on a l'ancien, là, on a le moteur électrique, là, on a le train planétaire, la réduction. Ça, c'est le nouveau. Ça c'est quand c'est encore monté, ça c'est ce que j'ai démonté. Alors moi ici, le train planétaire, le moteur électrique, le frein. Et puis en fait on a un souci, des fois le robot il se bloque de ce côté-là, il s'arrête et puis le robot il tourne à 90 degrés, puis après le robot s'arrête, puis il met le robot bloqué. Du coup on sait pas trop pourquoi, on cherche un peu les pannes, puis en fait on vient d'apprendre qu'il y a 6 mois ils ont changé le train planétaire. Alors c'est possible que ce soit ça qui emmerde. Du coup on va le changer, ici je dois démonter, je dois changer le support. Il y en a un nouveau dans le carton ici. Voilà. Alors du coup je veux changer ça. Et puis ben les. Ouais le train c'est pas tout à fait le même, hein, le support pour le moteur, mais on voit bien là c'est carré, là c'est rond. Et là c'était rond aussi. Donc là ça jouait, mais sur le nouveau ça joue pas. Donc ici on a des adaptations. Donc je dois les changer. Je dois enlever la pièce en noir, mettre celle-ci. Et après, normalement, le reste, ça doit jouer. Il y a aussi un petit peu les diamètres là qui sont pas les mêmes. Du coup, on a le nouveau support là dans l'ancien. Même que j'enlève sur la pièce qui reste ici, c'est quand même trop serré là. Donc, je devrais normalement couper un peu ici, enlever de la matière, m'envoyer des plans, tout ça. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, je peux comprendre ça. M'intéresse pas tout le monde, mais voilà, je vous le filme, je vous le montre, et puis ça fera sûrement une petite vidéo, je vous mettrai sûrement tout ça en accéléré, j'ai pas grand chose à expliquer quoi, c'est du montage, du suivi de plan, et puis ben, j'espère que ça, certains aimeront quand même. C'est voilà, Farmdroid, ben, c'est nouveau, donc c'est un petit peu, ça fait partie du truc quoi, c'est des nouveautés, c'est comme quand il y a eu les premières voitures, les premiers tracteurs, ben, ils ont remarqué que au fur et à mesure, ben, il y a des problèmes dans la boîte, dans le moteur qu'ils ont amélioré. Même encore maintenant, hein, il y en a qui ont des problèmes quand ils lancent des nouveaux moteurs. Puis ben voilà, ça c'est nouveau. Et puis ben du coup faut le temps que ça se mette en route et puis qu'on trouve les bons réglages, tip top, et puis que ça aille. Alors là j'ai le petit plan de montage, donc en fait je dois faire cette découpe en bas et puis normalement ça va aller. Là j'ai les côtes, donc on vient tout ça. Puis, on va essayer. Alors voilà, on a notre découpe, enfin la découpe, le train il va dedans au moins, donc on verra ce que ça donne, je vais essayer de monter le support maintenant, et puis voilà, j'ai mis les beaux propres qu'on se coupe pas, c'est pas mal, bon, normalement on doit pas les trafiquer là-bas, mais c'est caché, mais voilà, comme ça c'est moins propre, puis ben là maintenant on va monter le reste. Maintenant, le support est monté, donc tout simple, avec 4 vis à bois, hein, de dessus, de dessous.
Et puis le moteur aussi. Je vais juste contrôler. Alors voilà, des coupes aussi. Ça passe juste, hein, c'est nickel. Et puis les deux autres boulons en bas pour tenir le support. Voilà comment ça donne. En fait, j'ai pas pensé tout de suite, mais cette vidéo peut peut-être aussi être utile pour ceux qui ont ou qui auront un robot Android et puis qui ont peut-être aussi des pièces comme ça à changer. Ben, ça peut être aussi un genre de petit tuto. Là, donc le moteur est déjà préfixé. En tout cas, là, au mieux, il est fixé sur la flasque. Donc en fait, c'est. Ah, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Dans ce trou là, vous devez arriver à aligner. Et après, il y a un imbus. Puis cet imbus, en fait, elle va serrer une douille qui a une fente. Puis en serrant, ça va rétrécir le diamètre. Puis ça va serrer l'arbre du moteur sur cette flasque qui va entraîner après dans le train planétaire qui est ici. Maintenant là, j'ai 6 vis à mettre ici, serrer le moteur en place pour qu'il ne tourne pas. Et puis après, on est bon, on peut passer de l'autre côté à la roue. Voilà, donc ce serait fini. J'ai remonté la protection, les poids, la roue. On a testé, ça fonctionne. Devant, c'est juste un boulon qui tient. Voilà. Une fois qu'on enclenche là avec la clavette, faut pas oublier la clavette, sinon ça sert à rien. Et puis, le boulon pour te sécuriser ici, pas que ça sorte. Les deux poids, la tôle de protection, c'est tout monté dessous. Voilà. Et puis ben maintenant c'est de l'amener au champ et puis de tester et puis voir comment ça va. Voilà, alors c'est croché, j'amène ça au champ, on se retrouve après pour un petit test. Alors on se retrouve, en fait je suis allé amener le robot au champ, je l'ai lancé avec mon oncle mais j'ai pas pu filmer. Puis en fait, l'après-midi, mon oncle m'a envoyé un message, le robot était de nouveau en panne. Donc, c'est pas ça le problème, c'est ni le moteur électrique, ni les trains planétaires qui arrivent, ni les pignons. Du coup, moi j'en déduis que c'est un problème informatique, genre est-ce que d'un coup il perd le signal ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un petit bug, est-ce qu'il faudrait faire une mise à jour au robot peut-être, je ne sais pas. Du coup, voilà, je vous montre encore une photo, le robot qui est en panne, voilà, ça donne ça. C'était un peu embêtant, donc j'espère que pour le semi de betterave, je vais plus embêter. Mais voilà. Du coup, en attendant, ben, je vous laisse sur ça. Je vous montre quand même tout ce tuto, quoi, pour voir un petit peu comment changer la pièce. C'est quand même intéressant. Mais, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça le problème. Donc, on verra par la suite. Sur ce, je vous tiens quand même au courant s'il y a des nouvelles. Je vous ferai sûrement une vidéo. Sinon, bah, je vous dis, abonnez-vous, lâchez un like si ça vous plaît quand même, et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao !